20 سنة من تواجده بالجزائر، سيرك عمار أول سيرك جزائري إفريقي. تأسس في سنة 1924 على يد أحمد بن عمار القايد، يحط رحاله بالعاصمة في متنزه الصابلات ليصبح ملاذا للعائلات في السهرات الرمضانية. تفاوض كبير شهده السيرك منذ العروض الأولى، وهذا ما أكده المدير الفني ستيف لميكروفون نجمة تيفي معبرا عن حبه ومعرفته الكبيرة للجزائر. Ben ça fait 20 ans qu'on est là. Donc je suis arrivé quand j'étais jeune et maintenant je me retrouve presque vieux. Donc je connais l'Algérie mieux que mon pays, l'Italie. J'ai tourné presque toutes les wilayas jusqu'au sud, pas l'extrême sud, c'est un rêve d'aller là-bas jusqu'à là-bas, parce qu'ils m'ont dit que c'est très 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 joli, mais ça fait loin pour les animaux. En plus, on a beaucoup d'animaux exotiques, c'est un peu lourd le voyage. Ben, cette année, on se retrouve à Les Sablettes, avec un spectacle par jour à 21h et un autre à 23h. Jusque pour la période de Ramadan et une semaine après l'Aïd avec deux spectacles que c'est 18h30 et 15h30. On vous attend numéro. Le spectacle c'est un spectacle vintage de genre cirque équestre de fin 800 début 1900. Une très grande inspiration au film hollywoodien The Greatest Showman. Je pense que vous allez prendre quelques reprises à l'intérieur, comme ça vous avez une idée meilleure de ce que je vous dis. Et bon, c'est quelque chose de très réussi. Le public, il a beaucoup aimé. Les commentaires, ils sont très, très, très positifs. Et les gens, ils sont restés époustouflés, autant qu'ils sont arrivés plusieurs fois à voir le même spectacle. Donc, j'ai vu des enfants, des familles qui sont venus trois fois pour voir le même spectacle avec des autres parents. Le public algérien, déjà, je pense qu'après 20 ans, on peut dire qu'on est responsable de la tradition du cirque en Algérie. Et moi, personnellement, je me sens responsable. Parce qu'à l'époque, j'ai vu des gamins qui avaient 14 ans, maintenant ils sont revenus avec leur propre famille. Et ils m'ont dit, Steve, moi, je te connais depuis que j'étais comme ça. Et maintenant, je regarde, je ramène ma famille à vous voir. Et ça, ça fait la chair de poule. Et c'est devenu une responsabilité. C'est devenu une responsabilité pour tous les jeunes, les jeunes pères et les enfants. Et c'est une rencontre très plaisante pour les deux. Parce que quand même, ça fait plaisir de revoir des amis aussi. Parce qu'à la fin, quand tu revois la même personne grandir, c'est des clients. C'est des clients, c'est plus que des clients, plus parce que nous, on les connaît, parce qu'on donne des bons moments. Eux, ils reçoivent ici des bons souvenirs. Donc, on a même intitulé une chanson, notre création à propos de ça. Il s'appelle « Ça fait 20 ans ». Parce que le cirque Amar, ça fait 20 ans qu'il est là. Et ça, c'est la musique qui va enchaîner. Non, on a au moins 4 continents comme artiste. On forme des artistes algériens. Et je lance un message. On cherche l'homme plus fort d'Afrique. On est là à Les Sablettes et on tient à créer un nouveau numéro pour l'année prochaine. Donc je vous attends, venez ici, envoyez des messages sur le Facebook Cirque Amar Algérie ou sinon Instagram Cirque Amar Algérie. On vous attend. Je compte sur vous. Je sais qu'ici en Algérie, il y a des hommes très très forts.
مختلفة جاءت بها هذه الطبعة مقتبسة من فكرة الفيلم الأمريكي The Greatest Showman الذي لاقى رواجاً كبيراً أين تفاعل معها الجمهور من مختلف الفئات العمرية. C'est pas après 20 ans, cela fait 20 ans que nous sommes en Algérie, puisqu'en fait cette année c'est le 20e anniversaire de la version de ce cirque Amar qui est revenu en Algérie à partir de 2003, donc très peu après la décennie noire. Et je crois qu'on a, une relation très intime avec l'Algérie et les Algériens pour une raison simple. Je vais vous donner une petite anecdote, mais il y a des enfants qui sont venus, des gens qui sont venus quand ils étaient enfants, en 2003, en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, et qui aujourd'hui reviennent avec leurs enfants. C'est dire l'attachement et l'appropriation du cirque Amar par les Algériens. Cirque Amar, je crois que c'est vraiment le cirque national d'Algérie, c'est le cirque des Algériens. Je pense que les Algériens ont renoué, grâce à ce cirque, avec une tradition de cirque qui est la leur, car Amar, c'est d'origine algérienne. Et vous savez que ça a été Amar le plus grand cirque d'Europe. Entre les deux guerres, donc entre 1914 on va dire et 1940, et c'est vraiment quelque chose, on sent que le public algérien est un public de connaisseurs. Je pense qu'avec le temps ils sont exigeants, ils ont leurs préférences, ils ont leurs goûts, ils ont une culture du cirque, oui, véritablement il y a une culture du cirque, mais je crois que c'est une réappropriation de quelque chose qui faisait partie de la culture algérienne et qui s'est développée au cours de ces 20 dernières années. Et nous, on a toujours du plaisir à être là parce que vous savez que ce qu'on dit quand on revient, on avait dû s'interrompre avec le Covid, quand on revient ici, on revient à la maison.
فنانين استعراضيين من دول مختلفة جمعهم سيرك عمار ليقدموا أجمل ما عندهم، ولا يمكن أن نمر مرور الكرام على المقدم والفنان الجزائري الذي أضاف لمسته للسهرة. أولا السلام عليكم، مرحبا بكم وصحة رمضانكم، صحة فطوركم، و أونكور أون فوا مرحبا بكم عندنا. سيرك عمار صافي 20 عام كوني لا، يعني 20 سنة وحنا هنا العودة نتاعو. تعرفوا سيرك عمار كشغل باتريمون، دوكا باتريمون الجزائريين، راهم التراث الجزائري. رانا هنا صافي 20 عام، أكتويلمون رانا في الصابلات، سيرك عمار الصابلات صحيتي. مع لو نوفو سبيكتاكل دي جريتد شو انسبيري من فيلم تاع ليبوك فينتاج، حاجه فينتاج ليبوك 1920 1930، القرن كيفاش يقولوا القرن 20 هكذا اكزاكتومون قال 20. هذه هي الناس امبيكابل. شوفي لو سيرك عمار بالاكسبيريونس اللي عنده هنا في الجيري، يعني ولا يعرف طري طري بيان واش يحب المواطن الجزائري بثقافته بتقاليده بتحفظه، يعني يسي الماكسيموم كيفاش يمدلو اكزاكتومون واش حاب، فهمتي كيفاش؟ اي سي سا بيان امبيكابل كيفاش يريبوندي. و ولاس كانت ثقافه تاع السيرك اكزاكتومون، سيرتو سيرك عمار، يعني اي واحد تهضري معاه، بابا انا بابا تهضر نهضر معاه يقول لي كي كنت صغير كي كنت هكا سيرك عمار اكزاكتومون. Thank you.
سيرك عمار تقليد ينتظره محبيه كل سنة ليحط رحاله بالجزائر ويشارك في نشر ثقافة السيرك في المجتمع ويصنع بهجة الكبار والصغار. مرحبا بكم في اي لحظه اونيلا ميرسي ا فو.